Resident Evil, épisode 2. Let's go. Forme. On va casser du Zombax ou du cannibale plutôt. Agneau sacrificiel. Agneau sacrificiel. Tu vas recevoir notre corps le plus sacré. Ah non, c'est des satanistes. Ça commence maintenant. C'est quoi ce bordel? Hé, arrête ça. Hé, hey, Yankee. T'as un nom? Léon. Pas bavard, hein? Moi, c'est Luis Serra. Je crois que toi et moi... On a mal choisi où passer nos vacances. Mais, arrête, ok? Tu bouges, je bouge. J'ai déjà assez morflé pour ça. Ok, je vois. On dans. On dans deux sales draps là. Hein, je parie. T'es ici pour retrouver quelqu'un. Laisse-moi deviner. Peut-être. Tu cherches une señorita? Une jeune fille? Parle. Maintenant. Ok. J'ai entendu dire qu'ils emmenaient une señorita. L'emmenaient? Où ça? Qui sait? Mais après, j'ai vu des types traîner quelqu'un vers la vieille église. Merde. Être avec toi, c'est pas une vie. Ah ouais. Allez. Strangulation. Hé, hey, où est-ce que tu vas? Plus
plus, amigo. Merde, mon équipement. Ok, plus d'équipement. Condor 1 à Perchoir. Et en plus, ils lui ont injecté une merde. Apparemment, ils la retiennent dans une église. Bien. Ils l'ont piqué au Covid, bordel. L'info vient d'un type que j'ai rencontré. Un certain Luis Serra. Il y avait quelque chose de louche chez lui. Tu pourrais te renseigner à son sujet. Reçu, Condor 1. Je vais voir ce que je trouve. Toi, pendant ce temps-là, rends-toi dans cette église. Ouais. J'ai 2-3 trucs à confesser en plus. Condor 1, terminé. Couteau. Attaque avec un couteau, appuyé sur clic gauche pour donner de grands coups de couteau. D'accord, mate. Face. On va prendre une pelle là, non? Autre cuisine. C'est tous des cuisiniers, bordel. C'est à moi ça. Puedes correr. Dans sur espace. Ah ouais, il y a un rat géant là. Sérieux ça? Esconder.
c'est fermé. Je suis cavale en vrai. Par ici, étranger. Ah bon? C'est qui? On va pouvoir faire des affaires, toi et moi. Mais sérieux, lui? J'ai jamais vu ça dans un Resident Evil, bordel. Et des roquettes. Débarrassez-nous des rats. Bienvenue. Vous pouvez acheter ou vendre des armes et des objets chez le marchand. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. La marchandise est en parfait état, je te le promets. Pas de place. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons.
Mets des pierres précieuses sur ce trésor et je te l'achèterai à un prix qui te donnera le tournis. J'ai plein de choses intéressantes. Alors, comment on fait ? Rendre étranger. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. J'ai encore quelques petites nouveautés qui pourraient t'intéresser. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Si j'étais toi, je placerais une de ces... Reviens quand tu veux. Comment je mets la pierre dans le trésor là ? Partir. Ah ouais. Et va encore plus cher. Surtout. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. À quoi tu tiens le plus ? À ton argent ou à la vie ? Le choix est vite fait, l'ami. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Une affaire bien conclue. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère ? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Un peu de place ne peut pas faire de mal. Cette taille devrait te convenir, étranger. Tiens, étranger, pour acheter cette arme, il suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi du cran. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Est-ce que ce sera tout ? Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose ? C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Ça t'épate, hein ? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. Et c'est ça pour voir. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu verras. Ça t'épate, hein ? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et voilà, comme tu l'as demandé. En quoi puis-je t'être utile ? Mon dôme, elle va pas te faire tuer, hein ?
Comment je les combine là? Bienvenue. Modeler une arme pour répondre à tes besoins. Oh, y a-t-il quelque chose de plus? Souhaite de beaux rêves à tes ennemis de loin en leur collant une balle en pleine tête. Ah! Est-ce que ce sera... Reviens quand tu veux, surtout. Ouais, je peux la monter dessus en vrai. Je sais qu'elle est dessus là. Ouais, il y a la lunette là. Pas mettre en raccourci ça non plus. Ouais, donc pour se soigner, obligé d'aller dans le menu quoi. Ouais, c'est clic molette pour passer sur le deuxième élément de chaque rangée en vrai. Que je suis. ¿Dónde estás? ¡Agarradlo!
Alors, qu'est-ce qu'il y a, espèce de grosse putain de tarasse? Comment on zoom? Ça s'ouvre pas. Je vois pas. Je vois pas non plus.
coup, il arrive. C'est fermé. Clé. Donde estás? Pour
¿Dónde estás? Elle est où cette grosse putain de t'es mort? Voilà. Espèce de vieille pute. Je reviens là. N'oublie pas qu'arme à feu. Rime avec jeu, étranger. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Essaie d'y faire attention, d'accord? Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire, j'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est... Elle va pas te faire tuer! Et hein? Oh, bienvenue!
J'achète tout et n'importe quoi. Pas mal. En quoi puis-je t'être utile? T'as un faible pour les trésors. Reviens quand tu veux, surtout. ¿Dónde estás? Y des corbacs partout, bordel. Hôtel sacrificiel.
Leur influence n'est plus ce qu'elle était. Détruisez les poupées mécaniques. Un bruit de tronçonneuse là, non? J'en étais sûr. Je peux même pas prendre sa tronçonneuse. Non. Pas mal comme baraque. Les voisins doivent être jaloux. La baraque de mort. Thank you.
Le vieux fermier, sa meilleure récolte, le porcher fluet, son cochon, la vieille femme démunie, son enfant bien-aimé. Récolte, cochon, enfant. Récolte, cochon, enfant. Récolte. Cochon. Enfant. Incroyable. Le cristal. Ça marche. On comprend rien. Aveugleman. 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 On était mort. Faut faire quoi avec ça, hein?
Ah. Quel branleur. Clé de l'insigne. Holy crap. Un démon lui. Man. Un don dans mon sang. Ok, chapitre 3. Perchoir à Condor 1, j'ai les infos que tu voulais sur Luis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Incroyable. Allez à l'église. Ah, il faut être deux là. Dommage. Holy crap. Ça marchait où? Toi aussi, hein? Attention à toi.
Le loup blanc. Où l'église? Ah oui, là. Non? Ah non, là-bas. Comment je vais là-bas? ¡Un forastero! ¡Un forastero!
super. Quoi ce bordel? Ils ont invoqué le démon là. Tête de mort géante. Super la salle à manger là. Mort de manquer constamment de munitions, et bien j'ai ce qu'il te faut. Le lance-carreau va te changer la vie. Le projectile peut être récupéré et réutilisé. N'oublie pas d'acheter la formule des carreaux. Attache des mines adhésives explosives de proximité au carreau pour transformer l'arme en un redoutable lance-mine. Incroyable. Ah, c'est ça le lance-patate. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Bienvenue. Une autre fois, peut-être. Bienvenue. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Traillette. Ma marchandise est en parfait état. Nous attendions le client. Et tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Essaie d'y faire attention, d'accord? Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Reviens quand tu... Tu veux, surtout. A besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois. Les temps sont... Oh, dur, pas vrai.
Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Ça t'épate, hein? Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. En quoi? Elle va pas te faire tuer, hein? Les transformer en passoires avec une arme pareille. On commence à bien cerner tes goûts, étranger. C'est un travail qui demande de la finesse, étrange. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Reviens quand tu veux. Bienvenue. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Est-ce que ce sera tout? La prochaine fois, achète quelque chose. Une église, ça doit être là. Il me fait envie l'église. Parti de son cercueil lui. Une jardinière.
Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon ? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Gardez-la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Ok, c'est un sacrifice. La clé sera conservée dans la grotte de l'autre côté du lac. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Une crypte, bordel. Ahí va eso.
jamais. Eh ben, va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Bordel. La taille du marteau, mon gars. Quelqu'un pourrait-il détruire ces médaillons bleus ?
flamme violette. C'est fini, je suppose. Incroyable. Lorsque tu vends une arme que tu as améliorée, récupère quasiment tout l'argent que tu investis dedans. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. C'est hexagonal. Salut, étranger. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre et comme neuf. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Une affaire bien conclue. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Une affaire bien conclue. Merci. Pas te faire tuer, hein? Ah. Il y a trois passages ici. Bref, amuse-toi bien.
ma foi, particulièrement robuste. Un seul tir ne suffira pas pour celle-là, je pense. Eh oh, où tu vas comme ça? Tu sais combien de temps j'ai mis pour nous préparer? Contrat Gousset. Toi, tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Nous avons rangé le carburant pour bateau avec celui des groupes d'électrogènes dans le bâtiment de traitement de la ferme piscicole. Ils auraient pu faire le plein. Donc deux insignes. Pendu sur le mur. Merde, c'est pas ma journée. Oh.
Une machette. L'essence. Ça devrait me servir.
Superbe cette cuisine. On peut ouvrir un restaurant ici, hein. Retourne au bateau. Incroyable. Bordel. Thank you.
Incroyable. Chapitre terminé. Voilà. Sauvegarder. Épisode Terminares. A plus tard pour la suite. Ciao, ciao.